Salut tout le monde, on se retrouve pour la deuxième map, entre Singularity et G2. Les Français qui ont remporté la première carte sur le score de 16-4 après avoir mis un premier side à 14-1 en s'étant pris le pistol. Hein, 14 rounds d'affilée du coup pour les G2. Ça a été plutôt solide. On va voir si cette fois-ci. Attendez, je regarde juste un truc. Voilà. Incroyable. Liquid qui a perdu son premier match face à Rogue. Quel est ce bénéfice, quoi. Ok. Bref, allez, on focus sur le match. Eh, les G2, ils vont encore perdre un pistol. C'est le troisième. Chose qui arrive dans le dos. Est-ce qu'on va s'en méfier? On commence peut-être à s'en méfier un petit peu. Voilà, c'est sûr. 20 secondes, ouais, le round est perdu. Et troisième pistole perdu par les G2. Et on est à... en 3 pistoles de perdu, on est quand même sur un total de 5 rounds demi par Singularity. Incroyable. Alors cette fois-ci, on est sur la map des Nord-Américains. Donc on verra s'ils vont nous donner un petit peu plus de jeu. Faut faire mieux que 16-4. Est-ce que c'est possible? On verra. En tout cas, on a eu une victoire très convaincante de la part de G2 sur Cash. Et on sent qu'ils n'ont pas non plus forcé, quoi. N'hésitez pas là en mode on va tout donner, les G2. Echo très très sèche. Uniquement des Glock. Un P250 en tout sur Shox. Shox, il se dit, bon allez, un P250 c'est 300$. Un kill c'est 300$. Je vais faire 2-3 kills, ça va être bénef. Ou pas. Ou alors il va se faire poutrer. Bon, pour l'instant, c'est imperfect. Pas eu de problème côté Singularity. Alors j'espère que les animaux américains vont quand même arriver à nous montrer un meilleur jeu que sur la première carte. Je pense que ça va pas être spécialement difficile à atteindre comme objectif. Mais après, vous savez. Certaines ex espèces de troglodytes ont quand même du mal à évoluer. Du coup, on va voir. Je suis tellement méchant avec eux que. Ils m'enculent en soi, hein. Ils m'enculent. Hein. Mais je suis méchant, hein. Je suis trop méchant. Faut que. Vas-y, en 2020, les gars, je prends la résolution d'être plus gentil avec les équipes nulles qui affrontent les équipes françaises. Donc là, en l'occurrence, Singularity. Putain. Ajax n'en prendra qu'un, Shox qui enchaîne sur Hydrex, Floppy qui tombe, Shox double kill, triple kill de Shox, très très solide. Alors Shox qui nous avait fait une première map énorme, 31 kills. Ok Shox. Oh. Ah bah Shox il annonce la couleur, hein. Il était chaud sur la première, il va être chaud sur la deuxième. Quadruple kill de la part du leader game des G2. Alors, tu sais qu'il lead quoi, tu te dis putain, il est tellement fort. Allez, premier round des Français. La machine G2 va pouvoir peut-être s'élancer. Petit achat pistole. Ouais, je sais que n'en prendra qu'un. Attention à Ozzy qui fait quand même tomber Jax. 4v3 en faveur des Nord-Américains. Mais bon, il n'y a pas de Kevlar. Du coup, c'est pas non plus la panacée. On va voir s'ils vont réussir à faire quelque chose de ces deux AK conservés. Ils vont être tentés de jouer le round, hein. 4v3, toi 2 AK. Tu peux être tenté de le jouer. En plus, on sait que s'ils ont regardé un petit peu des démos de G2, ils savent que G2, ça perd les échos très souvent. Donc souvent, quand t'es en écho,
Vas-y contre G2, t'as une chance de gagner. Et surtout, n'oublie pas que quand G2 a un bon site, tu fais semblant d'aller écho. Et G2, ils se font défoncer derrière. Voilà, ça c'est important aussi. Allez, Lucky, le doublé. Il reste plus qu'un seul joueur. Botem. Botm. Lucky, triple kill. Merci, au revoir, de partout. Bon, ça reste une écho. Il perd quand même 3 armes, mine de rien. C'est pas une écho si mauvaise que ça pour Singularity. Après, les gars, vous inquiétez pas, hein, je parle de Troglodyte maintenant. Attendez de voir le prochain match de G2 contre Révolution. Révolution. Je sais plus. Ah là, vous allez avoir du troglodysme comme il en faut. Vous allez avoir de vrais animaux, des babouins, qui est une équipe vietnamienne, hein, pour vous donner une idée. Révolution, je sais plus. Donc, autant vous dire que vous allez assister à quelque chose de beau, que j'ai très hâte de commenter. Je vous promets un joli spectacle. Allez, l'agression qui paye côté Singularity, 2v5. Alors peut-être que je les ai jugés trop vite, les Singularity, peut-être vont-ils être capables de d'inquiéter les G2 sur cette seconde map. Après j'ai envie de se dire... Ouais. Non, possible qu'ils perdent G2, quoi. Singularity, frère. En LAN, c'est une LAN en plus, c'est même pas un match online, tu vois, c'est pas... Enfin... Pour moi, il n'y a aucun risque que G2 perde contre cette équipe en LAN, vous voyez ce que je veux dire? Alors, Kenny, pas très discret, hein. Il a été entendu courir, on l'a entendu courir. De quand même très loin, quoi. Allez, Kenny, l'ouverture sur Hydrex. Ah, il reste encore un snipe. En plus, le snipe qui se fait complètement déborder. Bon, la tourelle, il en prend deux. Est-ce qu'il permet de rétablir un 2v3, mais là, il est en difficulté. Il va tomber. Il a quand même gagné un peu de temps pour son équipe. Il reste un sniper. Il va se faire avoir. Enfin, Kenny, est-ce qu'il va se faire avoir par ce sniper, justement? Ozzy. Sur Lucky, je joue un peu avec le feu là. Mais Lucky! Tu sais qu'il est là. Et du coup, un V2 pour Shox. Alors, Shox est un excellent clutcher. Ouais, mais là, il n'arrivera pas à le faire. 4 à 2. Nouveau point pour les Singularity. On reste devant côté nord-américain. Bon, après, on va pas se mentir. Ils sont sur le side CT d'Overpass, donc ouais, il y a quand même moyen de nous proposer quelque chose d'intéressant pour eux. C'est leur map en plus. Et on va se mentir, Overpass, c'est en CT en général, quand le site est maîtrisé, elle est plus qu'abordable en CT. Bon, un body qui va avoir le temps d'arracher aussi avant de se faire éliminer par Floppy. C'est pas mal. Je sais que c'est son timing sur bot, mais est-ce qu'il peut enchaîner derrière? Je les trouve très naïfs en fait, les Singularity, et un peu trop. Je trouve qu'ils jouent un petit peu trop individuellement. Ils jouent pas ça en équipe. Alors c'est une équipe NA hein, aussi, donc ça explique peut-être cela. Mais du coup, voilà, là le mec qui est long.
À aucun moment il est censé faire ça, quoi. Essayer de reprendre tout seul, c'est trop risqué. C'est beaucoup trop risqué. En plus, il peut pas faire la différence contre deux joueurs. Enfin, c'est quasi impossible. Et du coup, on offre le round là quand même hein, pour lui. Parce que la retake en 4v3 aurait été envisageable. Hein. Enfin, s'il n'y avait pas de Kevlar. Franchement, la retake se faisait tranquille. Hein. Je dis pas qu'il l'a gagné, mais il y avait vraiment un coup à jouer. Et là, bah, du coup, il offre un 2v4. Bah, forcément, tout de suite, ça se refroidit un peu plus, quoi. Kenny qui récupère un snipe. Jax qui récupère un snipe. Un hog. Après, Kenny, il reste là. Faible de jouer. Il était occupé là. Il mangeait ça. Il mangeait une banane, peut-être. Je sais pas ce qu'il faisait, mais il était occupé, Kenny. Après, Kenny étant un alien, il n'a pas le temps de s'occuper du commun des mortels. Comme nous, enfin, il n'a pas notre time, quoi. Pause. À chaque fois que Shox demande une pause, le jeu se lance, j'adore. Peut-être une pause tactique de demander. Parce que côté G2, bon, on est toujours derrière. Après, ils ont boîte derrière, ça va, quoi. C'est pas non plus. Allez, Lucky qui prend l'ouverture. Avantage numérique tout de suite. Body qui explose floppy. Ryan, à l'autre bout de la map qui élimine Shox. 4v3 en faveur des G2 malgré tout. Attention à Hydrex, le timing là. Sur Body, mais Body qui va remporter son duel. Avec 3 HP, c'est Revenge par bot, mais on conserve l'avantage numérique pour les G2. 3v2. Bon planté. La mollo pour forcer le recul de bot au niveau de la banque. Il y a un joueur. Ah, ils vont écho là. Quoi, ils vont écho. Ils vont pas tenter le round, les Singularity. Ça va être un quatrième point pour G2. Pour l'instant, côté français, on tient le coup. Et on égalise 4 partout. Alors, quelle solution pourrait trouver Singularity là pour contrer les G2? Le setup double snipe, pourquoi pas? C'est pas ce qu'on voit le plus souvent sur cette carte. Mais après tout, pourquoi pas essayer de surprendre G2 avec un petit setup double snipe, ça peut être intéressant. Ça peut éventuellement marcher. Allez, body, l'ouverture. Sur Ryan, on tente un petit push mid, mais c'est complètement dévasté. Bon, après, ça restait une écho. On tente un petit quelque chose en écho. C'est pas le round le plus important maintenant. C'est le prochain là qui va déterminer si les Singularity vont être capables ou non de d'embêter un petit peu les G2. Certes, ils ont bien commencé, mais encore une fois, ils mettent le pistol. C'est le troisième qu'ils mettent. Admin qui essaye d'aider Shox, il dit pour bloquer ses points stop, mais Shox finalement il se dit ouais, c'est bon, bah, les couilles frère. Finalement, pas besoin de pause. D'ailleurs, je pense pas que les G2 aient pris la moindre pause tactique sur la première carte. En même temps, quand tu gagnes 14-1, est-ce que t'as besoin de prendre une pause tactique? Ouh, l'agression longue. On s'en méfiait pas spécialement côté G2, aussi qui va se faire éliminer. 1 pour 1 qui reste quand même à l'avantage des Singularity puisque on fait un petit peu de dégâts sur le kill, mais bon, c'est minime. Ça reste voilà, une situation de. Ah, ok, Shox. Le 2 balles sur Ryan. C'est Revenge, ça l'a dit par Hydrex. Kenny qui Revenge à son tour. 3v2. Certaines naïvetés côté Singularity quand même, hein. Je trouve très souvent très naïf.
On se méfie pas des tie bigs qui sont pris par G2. Au final, les Français qui parviennent très souvent à prendre des avantages sans forcer vraiment, quoi. Ça va être un sixième point puisqu'on paraît que les armes pour les deux joueurs restants. Il y a beaucoup d'échos d'armes hein, pour les Singularity pour l'instant. Combien de fois la bombe a explosé hein. En round d'avant, ils n'avaient pas échos d'armes. Hey, encore un point pour G2. Le sixième. On reprend l'ascendant pour les Français. S'ils arrivent à mettre 2-3 rounds de plus, ce sera déjà un bon side terreau. Allez, ouverture de bots sur Shox. On avait la bonne ligue. Ouais, par contre, Kenny qui en prend deux. 3 pour 2 pour 2 pour l'instant. Et puis c'est avantage des hétéros, d'autant plus que sur les 3 joueurs restants de Singularity, il y en a 2 qui sont en écho. Attention, cela dit, à ne pas se la prendre cet écho. Ça serait dommage. Je rappelle qu'après ce petit tournoi des WESG, vous aurez quelques petits matchs de Vitality. J'ai déjà commencé à vous commenter Vitality pour contre KO, que je devrais vous poster d'ici quelques temps. Ah, et Lucky qui fait tomber Ozzy. Petit one. Il s'offre un 1v1, Hydrex. Ah, c'est de l'entendre là. Il va vraiment la tenter. Pas de kit. Pas de Kevlar. Là, c'est one tap ou rien quoi. Et la smoke sur la bombe. Les body qui concluent. 7 à 4. Les G2 continuent de creuser l'écart. Après, s'ils arrivent à nous faire un petit side, admettons à 11-4, c'est pas mauvais. Hein. Vu la physionomie de match où on remporte le pistol, l'anti-écho pour Singularity. Allez, setup avec double AWAP, triple hog pour Singularity. Là, ça va être un round compliqué à gérer pour G2. Beaucoup d'équipements pour les Nord-Américains. C'est maintenant qu'il faut être solide pour les Français. Alors, on va pas tirer sur les balles traçantes côté Ryan. On se fait sauter le casque aussi. Pas dit. Oh là là. Oh là, ouais. Là, on s'empale complètement côté G2. Belle défense dans la longue. Bien géré. En plus, on fait tomber la bombe. Un peu catastrophique ce round pour les Français. Oh mais choc s'il cale des trucs quand même. Alors il se retrouve en 1v5, 1v4 désormais. Le but côté Shox là. Alors, essayer de mettre le round. Mais surtout le but principal c'est de faire tomber le plus d'armes possible. Alors, déjà il va avoir un premier duel à jouer au niveau de ses. De ses toilettes. Il ne faudra pas être naïf.
Qu'est-ce qu'il fait Ozzy? Mais... Je dis, il faudra pas être naïf pour Shox, c'est l'autre con qui est complètement naïf, quoi, c'est incroyable. Il fait quand même tomber trois armes, Shox. Il faut bien gérer, hein. Il fait tomber trois armes. Alors cela dit, il récupère les deux snipers. Mais quand même, il fait tomber trois armes, du coup voilà, il y a un scout. Il y aura peut-être une PM aussi sur bot. Ouais, PM, un scout. Ils sont pas hyper bien. Des petits dégâts économiques de Shox, ils sont pas mal. J'ai mis l'ouverture sur Ryan qui fait mal là. Très propre. Alors Kenny discret pour le moment. Par contre Shox très très bon. Encore une fois Shox, la double ouverture. Pouah, mais il est trop fort. Il est trop fort les gars. 5v2, ils vont pouvoir encore partir écho comme d'hab. Ils font que ça depuis tout à l'heure de toute façon. Jax, il a tellement fait la viande pour Shox là. Petit flic. Alors, est-ce qu'il va imaginer le deuxième joueur? Ça va être dur de rester en vie là. Quoique. Ouais, on se rate pour Ozzy. Body sanctionne, 8e point pour G2. Les Français vont donc remporter ce premier round. Bon, déjà, vous voyez, là, on a déjà un premier set qui est plus long que sur la première map. Hein. Il reste encore deux rounds à jouer, on est à 22 minutes. Tout à l'heure, l'essentiel du side avait duré 21 minutes. Je vous laisse imaginer si ça avait été une équipe en face où G2 aurait joué en mode hyper sérieux, en mode totalement focus. Je vous laisse imaginer le temps que ça aurait pu durer du coup. Hein. Parce que là, bon, là, ça va, c'est Singularity. Bon, on court un petit peu plus que d'habitude, je pense, côté G2. Après, je crois qu'ils essayent de faire quand même pas n'importe quoi, les Français. Hein, en fait, on est sur une compétition, il y a énormément de cash prize. Donc, même si tu arrives 4e, 3e, 2e. T'as beaucoup de cash prize, donc côté français, le but, voilà, essayer de faire un petit top 4 minimum. Je pense que ça doit être leur premier objectif. Et s'ils arrivent à aller chercher le boss final, j'ai envie de vous dire. Attends, quoi? Pourquoi j'ai dit le boss final? Attendez, j'ai mon cerveau qui a bugué là. J'ai mon cerveau qui a complètement bugué, j'étais en train de dire quoi? Wesh, mon cerveau il a planté, les gars! Ah, il a fait une erreur 404 là. Ah, j'ai dit aller chercher le boss final. Oui, non, en gros, en disant le boss final, je voulais dire aller chercher la finale. En soi, le boss final, ça peut être, je pense, dans cette compétition, Fnatic ou MIBR. Voilà, si on doit parler de boss final. En gros, je sais pas pourquoi, mais j'ai pensé en même temps. En fait, en pensant à finale, j'ai pensé à mon jeu Devil May Cry. En mode, j'ai pensé au boss, genre de fin, quoi. Et j'étais là, je sais pas pourquoi. Genre, allez savoir. Ouais, c'est mon cerveau, quand je suis fatigué, il bug un peu. Même si en soi, ce que j'ai dit n'avait pas totalement. Avait un minimum de sens. Quoi, mais... Bref. L'autre animal, il s'est laissé brûler. Hein. Il s'est laissé brûler, l'animal. Hein. 1v2 pour Kelly. 1v2 pour le sniper français, KNIS en action, il récupère la bombe. KNIS pour sortir le move. Il va pouvoir aller sur le bomb site A éventuellement pour s'offrir le clutch. La flash qui donne une indication aux adversaires de Kenny où il se trouve. KNIS peut-il le faire avec son Magic Stick? Le Magic Stick qui va être sorti par KNIS.
Allez, c'est parti, et on parle pas de ma bite. Et c'est parti, Kenny qui fait le premier sur bot, mais Kenny qui repère un deuxième joueur, 1v1. Kenny face à Ryan, un joueur complètement inconnu, face à la légende du sniper, Kenny S, le sniper français, et c'est Kenny S qui va mettre le clutch. 10 à 5 pour les G2. Allez, petite ellipse, temps de lancer le deuxième side, à de suite. Super! Eh, je viens de vous faire un pistol de ouf et j'ai oublié de le filmer, quoi. Je suis deg. Bon, ben en gros, je vais vous résumer ça. Singularity ils disent, eh les gars, et si on faisait un rush B? Et là, t'as la petite interrogation, bah, t'es sûr? Enfin, rush B, c'est. Enfin, t'as vu notre niveau? Enfin, je sais pas. Pistol, rush B, c'est fréquent quand même. Enfin, souvent, il y a des 4-1-1 en B, quoi, sur les pistoles, t'es sûr? Ouais, vas-y, les gars. Et ils sont complètement faits soulever par G2. Alors, on va essayer de se mettre dans la tête d'un Américain. D'accord? Pour se rendre. Bon, les gars, on est au Deagle. On a un Glock. Bon, donc toi, tu sers à rien, frère. Tu vas faire la viande. Hein. Tu sautes et on te bute. Ah, ok, merde. Bah, non, en fait. Hein, j'ai tenté mon petit move. Je suis un connard. Je me suis fait déglinguer. Oh là là. Ah, notre écho, elle pue la merde. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est une écho, les gars. C'est pas grave, on va se faire soulever. Bah, ok, voilà, au revoir, merci. J'ai même pas le temps de réagir. Enfin, c'est dur. Eh, les gars, il y en a un long. C'est qui? C'est Shox. Ok, les gars, on a perdu. On est mort. Allez, 12 à 5. J'ai pas les mots, les gars. J'ai pas les mots. Ah, c'est. J'ai pas les mots. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ryan, qui s'élance au niveau de la short. Sorti de la smoke, il va tenter un timing. Il va se faire complètement. Bah, rester en vie. 6 HP pour Ryan. Qui va brûler. Allez, merci, au revoir. Bon, les gars, j'ai tenté mon move comme un clochard, je suis mort. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais enfin, ils décalent sans stuff, sans rien. Mais c'est des animaux, frère. C'est même plus des trop glodites là. Ok, ils ont mis un round de plus que sur la première map, mais enfin, c'est incroyable. Le troglodisme. Le 13e point de G2 eSports. Ah, je pète à moitié un câble hein, sur ce match. Vous m'excuserez, mais bon. Vous me comprendrez aussi, je pense. En tout cas, l'Amérique qui est bien représentée sur ces WESG. On peut constater que c'est très bien représenté là, c'est pas mal. On est sur un niveau acceptable. Eh, mettre au moins 5 rounds pour une équipe NA, c'est déjà pas mal. Hein. Allez, comment va se dérouler ce round dans ce cerveau NA? Bon, les gars, 4 deagles. Tout à l'heure, on en avait que 3. C'est pour ça qu'on n'a pas réussi. Je pense que cette fois, ça va mieux se passer. On prend le mid? Allez, on prend le mid. Alors, ceci, on peut noter une petite erreur de G2, c'est de jouer des positions contact face à une écho. Bon, moi, je suis jamais très fan. Bon, cela dit, on fait à peu près la différence. On fait tomber 3 armes là. Mais quand même, on récupère une AK pour floppy. On prend des risques un peu inutiles et ça m'étonnerait pas que le round parte en couille parce que c'est une écho. Les gars, n'oubliez pas, on est contre G2. Là, c'est notre meilleur. Là, on est en écho, c'est notre meilleure chance de mettre un round. Parce que bon, en round d'armée, on a pu se rendre compte qu'on était quand même sacrément à chier. Ouais, t'as raison. Bon, floppy, écoute, j'ai toute ma vie. J'ai une AK, j'y vais, ok? Je vais soulever le mec BP. C'est un hog, je peux rien faire. Frère, vas-y, go nerf hog, c'est abusé. Je vais encore faire un thread comme la plupart des pros pour dire qu'il faut nerf le hog. En plaignant. Ouais. T'as raison. Mais je comprends pas. Et si on créait un boycott, si toutes les équipes se mettaient d'accord pour boycotter Log, non? Ce serait pas bien? Bah, trop compliqué à mettre en place pour notre cerveau. Ah, ok. Bah, du coup, je prends le SG, les gars. Je pense que ça peut concurrencer Log. Ouais, moi, je suis pas sûr, frère. T'inquiète. Eh, je fais du 4-15. Je suis sur une bonne game. Putain, je suis vraiment un con. Ah, je suis trop con. Je fais du 4-15, je suis sur une bonne game. Ah, c'est ce que Rabenas pourrait dire. Bon, 14 à 5 pour G2. La pause, elle était de G2? Non. C'était de Singularity.
comme si un cerveau NA pouvait fonctionner correctement pour utiliser une poste active, quoi. Et c'est un petit peu la dernière chance des Nord-Américains là. S'ils venaient à perdre ce round, le match pourrait très très vite se plier en faveur des Français. Alors moi je me demande comment le match va finir. Alors demain je vous promets les gars, vous allez avoir un niveau de troglodysme comme jamais atteint. Comment je pourrais... Quel mot je pourrais utiliser autre que troglodyte? Un niveau de concombre de mer. Un niveau de courge comme jamais on en a eu. Voilà. Je peux vous promettre ça. Et pourtant, c'est pas LDLC version 2019 que vous regarderez. Hein. Et Jax, il se fait ouvrir par Hydrex. Eh, je vous avais dit, hein. Eh les gars, je suis sur une bonne game avec mes 4 kills. Je prends le SG, je les défonce. Eh les gars, regardez, j'ai fait un kill. Alors, le SG, c'est ce qu'il me fallait. Je serais peut-être meilleur sur Call of Duty. Après tout, nous les Américains sur Call of, on est quand même mieux hein, que sur CS. Bah ouais frère, hein, tu pourrais viser. Ah ok. Putain, fils de pute, il cheat. C'est pour ça qu'il se fait kick de la team. Oh putain. Oh, ce tir au pigeon quoi. Et 15 à 5. Frère, il voit pas la smoke. C'est sûr, il cheat. Il tire à travers la smoke, il a un wallhack. Regarde, il nous a. Il, regarde, sur la démo, il nous regardait à travers la smoke. C'est sûr qu'il cheat. Oh là là, je suis content de mes blagues de merde, vous voyez. Voilà. Vaut mieux rire que pleurer de soi-même, vous voyez ce que je veux dire. Côté G2 actuellement. Bon, les gars. Écoutez, ce warm-up était intéressant. On en aura un autre après. Peut-être que le tournoi commence dans 2 jours. Hein, ou demain, je sais pas. J'ai hâte de commencer le tournoi là. Et là, Body. Dans Jax. Je vois bien Jax dire ça. Et les mecs, il s'est lancé le match ou quoi là? Ou c'est toujours l'échauffement? Hydrex qui ressort le SG pour tenter le move. Alors, le temps de réaction de Jax est censé être un peu plus élevé quand même, frère. Ah, je veux pas dire. Bon, ok, c'est singularité en face, tu te dis. T'as un peu la flemme, il était peut-être en train de bâiller ou en train de se gratter le nez, du coup, tu vois, genre, il regardait pas trop l'écran. Eh mais. Oh! Directeur auto! Frère! Directeur auto! Il y a Kelly qui en fait un. Est-ce que ça serait le dernier round du coup, puisque le directeur autobug? Vous le pensez. Vous dites oui, réponse A. Vous dites non, réponse B. Ferme ta gueule, Firo, réponse C. Allez, 3v3, on va pouvoir investir le bomb site B. Ouais, ok, mais la grosse négligence des G2 là. Hein. Personne en B. Qui a Lucky? Il y a Lucky, je suis sûr qu'il va se faire soulever. Mais qu'est-ce qu'il fait, Lucky? Ils sont bas les couilles. Ils ont rien à foutre les G2. Ils ont la flemme de jouer en mode vas-y, on tryhard. Je crois qu'ils s'en battent les couilles. Oh, Body qui était sûr d'avoir tué Mott, mais du coup il a arrêté de tirer. Ou alors il a pré-fire sans le voir et il était là. Je sais pas ce qu'il a fait en tout cas, mais petite erreur. Avec Kenny qui en prend un, il pourra pas enchaîner. Lucky 1v2. Lucky pour le clutch. Pas de clutch pour Lucky. Ryan, double kill. Il est trop chaud, Ryan. Sixième point pour Singularity. Eh les gars. Ils ont quand même mis 6 points. Hein. Moi, je veux dire, je veux pas dire, ils ont quand même mis 6 points. Alors, je pense qu'on peut quand même les féliciter. La setup double snipe. Allez, on est pressé d'en finir. La double snipe de Hog, allez, c'est bon. Hein, tout à l'heure, on jouait avec des M4, là, parce que bon, hein, on va pas se déconner. Hein, contre des bots, vaut mieux booster le stat track des M4, parce que maintenant, c'est devenu rare de booster le stat track des M4.
Par contre, là, c'est bon. On veut en finir. Voilà. Allez. Très bien. Merci, au revoir. Bah écoutez, j'espère que cette map vous aura plu. Non, mais sérieux, quoi. Oh là là, bot, bah attention, qui fait tomber Shox. Et c'est le drame. Shox qui tombe. Bot, la double ouverture. Il vient de faire la différence pour son équipe. 3 contre 3 désormais. Le directeur auto n'en a plus rien à foutre. Le directeur auto, il s'en bat les couilles maintenant. On va se mentir. Le directeur auto, les gars, il est là pour dire, allez vous faire enculer, moi je marche plus. Et même pas sur le dernier round. Hein. Avant, je me mets à ne plus marcher. Je m'en branle, frère. Genre, je suis pas là pour divertir les gens. Bon, voilà, je suis là pour tous vous enculer. Oh, on va peut-être voir un kill. Ou pas. Kenny qui lâche la ligue. Au pire des moments, Kenny S. Qui est attendu. Kenny S. Il prend le premier kill sur Heinrich. Kenny S. Qui enchaîne derrière sur Bottom. Ozzy qui se retrouve en 1v2 face à Body et Jax. Il brûle un petit coup. On a une vue magnifique. Attendez. Vous savez quoi? Ah, super. Pas mal. Alors, on va essayer de prendre une vue plutôt agréable. Comment on descend bien, genre? C'est de la merde. Bon, bah écoutez. Je peux même plus bouger mon truc. Allez, 16 à 6. Victoire à G2. Sans problème. Bah voilà, pas de surprise. Allez, on se retrouve demain, les gars, pour la suite des WESG. Ce sera face à Revolution. À demain.